Salut tout le monde, c'est White, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le clip des abonnés. Je sais que vous adorez énormément cette série et aujourd'hui j'ai plein de petits clips PC. Donc voilà, comme d'habitude, je fais un petit rappel en début de vidéo pour vous dire un petit peu comment participer au clip des abonnés, c'est super simple. En bas dans la description, il y a une petite adresse email. Dès que vous avez un clip de ouf, que ce soit sur Rainbow Six ou d'autres FPS, TPS, shooter, vous l'uploadez sur YouTube avec une jolie découpe et vous me l'envoyez à l'adresse email qui est dans la description, thewhiteshark67@gmail.com. Et justement, ça donne ce genre de petites choses. J'ai quelques petits clips vraiment très sympathiques, dont certains clips PC pour une fois. J'en ai beaucoup des clips PC. Et on va commencer tout de suite. Alors, le premier petit clip est sur Consulat. On se retrouve avec Jaeger qui vient de rentrer. Sa première petite tête qui prend contact dans l'escalier, qui récupère H en HS, qui récupère Fuse en HS. Il sait qu'il y a quelqu'un dans la petite pièce, dans le petit bureau. Ça ne sécurise plus. Il décale, il récupère l'avant-dernier en HS. Je crois que c'était Termite. Et le dernier. On le cherche, on a l'information, il est en haut à la trappe. Full headshot. Full headshot. Il a récupéré son truc en full headshot. Un clutch 1 vs 5. Full HS, magnifique, vraiment terrifiant comme expérience. Alors là, ce qui rendait vraiment le clip magique, c'est le fait qu'il récupère tout le monde en HS. C'était assez sympathique à regarder, un très bon shoot, une belle réactivité. On sent la petite dose de panique, vraiment super sympathique. La petite gesture du stress, la situation un peu compliquée en ranked qui te pousse à rentrer le clutch. Très bien joué, très bien engagé, ou peut-être très mal joué de la part des adversaires qui n'ont absolument pas joué teamplay et qui auraient pu très facilement sortir. Il a su jouer sur l'absence de teamplay et de communication pour sortir tout le monde. C'était très beau. Deuxième petit clip, Capitao sur base d'Air Force qui prend le contact tout de suite sur Rook. Il se décale dans le workshop, il voit le petit pulse qui est déjà dans le dans la zone de l'otage. Oh le génie. Oh le dieu vivant. Un clutch 1v4, ça te rend peut-être pas un dieu vivant. Et c'est justement pour ça que je demande de ne pas rajouter d'effet sonore sur la vidéo. C'est que ça dénaturise complètement le truc. Vous l'avez vu, l'action est magnifique, mais complètement gâchée par un commentary foot brésilien. C'est un peu spécial à regarder. Après, on peut faire l'effort de la retaper, il n'y a pas de problème. Se la refaire, voilà. Et tu sens la montée en puissance, le commentary brésilien qui tape derrière. Voilà, le premier qui tombe, le Rook. On se déplace dans le workshop, on voit le deuxième qui est derrière le bouclier, derrière le canapé rouge là-bas. Et là, tu sens la montée en puissance du commentary brésilien. Écoutez, écoutez. Ça peut être marrant, mais en fait, pour commenter mon petit camarade, c'est assez compliqué en fait. Mais c'est pas grave, ça n'empêche que le clip est vraiment magnifique. Bon, ça fait du bien d'avoir des gros clips PC. C'était joli, joli, joli. Par contre, c'est un petit peu triste qu'un 3 de vitesse arrive à la fin, tu sais pas d'où il sort, dehors, et qu'il soit obligé de rincer tout le monde de clutcher avec Capita Schneck. Donc Capitao, c'est un bel opérateur, il est puissant, il est rapide, mais la rapidité de ton perso, tu l'as peut-être pas exploité, parce que bon, ça reste un 3 de vitesse, et tu rentres en dernier quand tous tes camarades sont morts. Comment te dire que nous, dans notre équipe, quand quelqu'un fait ça avec un anti-fragger, c'est pas qu'il se fait insulter, mais il repart avec une jambe et demie en moins. Et c'est toujours moi qui garde la rotule. Clip suivant, base d'Air Ford aussi, un petit pulse qui prend déjà le contact au niveau du bomb site B sur une Twitch, il me semble. Non, c'était même pas Twitch, on aurait dit un personnage féminin, j'ai peut-être des yeux de merde, et qui continue à prendre ses informations, pépère détendu. On voit quand même qu'il se rend manche décisive en 0-3, donc c'est très compliqué, et là on voit que le mental est toujours là puisqu'il a la volonté de faire le travail. Il prend une batterie d'informations au niveau du workshop, là c'est impressionnant, il sait qu'il y en a un sur A, et ce qui est dommage, c'est juste qu'il donne pas la com. Le petit ping collègue qui permet de sortir le sledge en extérieur, il prend contact sur le balcon, il ne voit personne, peut-être qu'il va faire la sortie ou alors s'occuper directement de celui qui est sur A. Il prend les infos sur A visiblement et là il doit se demander, ok, qu'est-ce que je fais? On est en 2v3, j'ai peut-être pas envie de faire de la merde non plus. On l'entend, on le rappelle, sur A, il est en extérieur sur A, tu l'entends très bien.
tu l'entends très bien. Le contact dans les escaliers qui est payant, la tête qui est récupérée, le contact canapé rouge qui est sorti. Et le dernier, tu as l'information, il est dehors. Alors on prend un petit contact à la fenêtre, on regarde, on sort et on arrive à récupérer le termite en headshot. Echo, c'est un magnifique move de ta part. Et je pense que tu as su sauver ton équipe d'un désastre qui était relativement proche. Petit camarade, c'était relativement beau à regarder. Ça fait toujours plaisir que de voir des petits clips effectivement de la sorte. C'était sa manière de se déplacer, sa vivacité, sa ténacité, son envie de bien faire. Effectivement, c'était relativement intéressant à regarder. Effectivement, c'est une très très belle fin de round, assez épique. Voilà, et digne représentant de ma communauté. Ça fait vraiment très plaisir. Bravo Jean-Louis, c'est très bien. Petit clip suivant, Kavera au niveau de Courchevel. On est sur Courchevel. HS au niveau du balcon 5 fenêtres. Le Thatcher qui n'a rien compris à sa vie. Qui prend une balle de Kavera. Me dis pas qu'elle va l'interroger dehors. Si l'interrogation qui arrive dehors. Attention, t'as l'information. Elle est dans ton retour de toi. Et c'est magnifique. Le clutch avec un turn phénoménal. Il est moins 4 en 15 secondes. Assez extraordinaire. Interrogation en extérieur. Très 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 beau. Très beau, la puissance du camarade qui a su gérer sa caméra. Par contre, le contrôle du shoot, c'est pas encore ça. C'est peut-être un petit peu particulier parce que t'avais la tremblotte qui bougeait là un petit peu comme ça. Mais pas mal, vraiment pas mal. Très intéressant à regarder. Dans l'office, la caméra qui fait son boulot dans l'office. Alors déjà, j'ai pas l'habitude de voir caméra sur chalet. C'est ça qui rend un petit peu l'action particulière. Kavera sur chalet, c'est vraiment très rare. Vu que c'est des petites maps, on la choisit pas souvent. Et là, pour le coup, elle a été pique. Et l'avoir travaillé comme ça sur l'office, sortir 4 players. Par contre, je pense, sans vouloir te manquer de respect, que c'est un elo relativement bas. Parce que je pense que si tu fais ça dans les elos platine 2 diamant, ok, t'arrives à prendre le premier, le deuxième, c'est fort possible, mais le Thatcher, il se retourne, il te démonte. Malgré tout, ça dénaturise pas l'action, elle était magnifique et tu as vraiment très bien joué. Je te félicite, petit camarade, tu as une Kavera de qualité ici. Chalet Eugen, avec une petite cam qui a été apparemment pris à la Fragile Production. C'est pourquoi ça devait être pendant un live des Fragile Production. Je vous salue les gars, je vous salue, il y avait un petit gros bisou. Une Twitch qui se retrouve en 1v4, oui c'est ça exactement, qui est coincée au niveau de bouteille, qui prend le contact sur la Ella, qui n'a visiblement pas envie de prendre ses têtes. Alors l'information du doc a été prise, il te laisse le temps de recharger. Le premier quête qui passe. What the heck. Oh, ce jeu cassé. Oh là là. Le jeu est vraiment définitivement cassé. La Valkyrie qui ramasse sa tête assez sale et du coup on se retrouve en situation de 1v1. Gestion de la pression pour Karnax qui est assez impressionnante. Et là du coup on peut prendre le temps, on est en 1v1, il faut concrétiser. Est-ce que je casse la Mira alors qu'elle pourrait me donner des informations? Non, je ne le fais pas. Très bien, c'est réfléchi et c'est relativement intelligent de ne pas le faire. Mauvaise idée. Alors là maintenant il faudrait effectivement que tu drones. Est-ce que t'as des drones? C'est dommage, on ne voit pas. Il y a la caméra de Waynes qui cache un petit peu tout ça. Et le dernier contact qui est pris sur le bandit qui n'a pas pris sa tête non plus, mais que tu as réussi à sécher. Magnifique action camarade. Putain, c'était tellement propre de gérer un 1v4 comme ça, full stress et tout. C'est vraiment pas mal, sachant qu'en plus t'as vraiment subi une agression en extérieur et t'as su gérer ton truc. Eux l'ont pas su, ils ont fait n'importe quoi. Genre la Valkyrie et le Doc auraient très bien pu venir te chercher ensemble, mais ils l'ont pas fait et c'est dommage pour eux, ils en payent les conséquences. Pensez à jouer ensemble, pensez à jouer teamplay et surtout pensez en défense que c'est les attaquants qui doivent rentrer et pas les défenseurs qui doivent sortir. Ça coûte extrêmement cher et regardez là, il nous a fait une moins 3 en quelques secondes. Quand t'as un minimum de shoot, quand t'as un minimum de brain, ça peut se faire tout seul. Le mec il décale sur ta ligne, tu le plombes, c'est simple. Et là la défense a perdu toute crédibilité. Mentalement c'est très important. Messieurs dames, on se retrouve sur Favela avec une petite Twitch des familles. L'euro qui prend très cher côté entrée est, une de mes entrées préférées pour rusher. La Frost également qui ramasse sa mère en short. Le Tachanka aussi qui était complètement aux fraises, qui n'a visiblement pas trop compris ce qui se passait. Une prise de ligne assez sympa, Rose qui est payante et qui ramasse un mute. Le bandit qui se fait humilier et qui se fait sortir. Excellentissimo, excellentissimo. Le ace vraiment magnifique et vraiment très propre, qui a été fait ultra rapidement, je dirais une quinzaine de secondes par là.
très propre, un shoot de l'espace très précis. Alors c'est clair, c'est pas Bolo et compagnie qui font des trucs complètement inutiles et what the fuck, gauche droite, tac, je décale, je me retourne, je sais plus où donner de la tête. Non, propre, simple, efficace, on prend des lignes, il y a une tête qui passe dedans, on tire, un clic ça suffit et c'est redoutable d'une efficacité redoutable et d'une beauté incroyable. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait beaucoup moins de commentaires cette fois-ci sur les clips, tout simplement parce qu'ils étaient beaux et qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire. Alors, je dis pas ça parce qu'ils sont sur PC ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour le coup, là, c'était beau. Il y avait du jeu intelligent, il y avait du rush, il y avait de très belles actions, et il n'y a pas trop grand-chose à en redire, tout simplement. De toute façon, je suis personne pour juger. Si je me permets de donner des commentaires, c'est pour aider les novices qui débarquent sur ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, c'était du beau jeu. Je crois que j'ai eu de très beaux clips. En termes de gameplay, je pense que c'est le clip des abonnés le plus puissant que je propose aujourd'hui, et ça fait vraiment très plaisir. Voilà les gars, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu. En tout cas, moi c'était un vrai plaisir que de vous commenter ces actions là qui étaient très belles. Je vous invite encore une fois à laisser un petit like, ça fait toujours super plaisir, et puis c'est bon pour le développement de la chaîne YouTube. À vous abonner si le contenu vous plaît, évidemment c'est toujours facile, c'est un petit clic, une seconde, bam, tu t'abonnes et ça fait toujours plaisir. Ça m'aidera peut-être à me diriger vers les 100 000 abonnés, les 120 000 pardon, oh là là. Ça me donnera sûrement un coup de main pour me diriger vers les 120 000, puis les 200 000 abonnés. Surtout, le plus important, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos petits clips. Voilà les gars, c'était White. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau live. Ciao tout le monde. Peace.